AfterZone. On a une pensée d'ailleurs pour Alexis. Oui. Je ne sais pas s'il regarde le match, c'est possible. À Rome, ou je ne sais pas s'il est rentré en Belgique. On sait qu'il va se faire opérer de la cheville, une absence de minimum de 2 mois. Dommage. Avec une fracture pour Alexis Sademaker. On l'embrasse. Ritz est donc titulaire aux côtés de Léonie et Strouken sur le milieu de terrain. Dreyer est annoncé blessé dans ce cas-là, on est sur le banc. Et Dodier est titulaire aussi. Et que tout change. Ouais, alors on va voir un petit peu. On nous a parlé de la tactique en d'Anderlecht avec les flancs pour venir embêter cette équipe de Genk. Ça roule ici au Lotopark Astrid. Rozovski a mis le ballon en jeu et Matthijs Metz le renvoie devant. Il prend ses responsabilités en contrôlant vers l'avant et en allant chercher Jarno Stöcker. C'est son pied gauche magique. Repoussé par Dundonker, mais dans les pieds d'Elouadi. Deuxième ballon, premier arrêt. À l'arrière gauche, Rozovski, Tolu. Et Tolu, ça passe. Là aussi, on réclame un pénalty. Il le donne. Il le donne. Il a hésité. Et finalement, il a pointé. Petit point fatidique. C'est entre deux là et. Ouais, il le touche. Le pied, ouais. C'est léger. C'est léger, mais il y a contact après. Ouais, ouais. Et c'est Tolu qui touche le ballon, hein, ça, c'est indéniable. Ouais, ouais, ouais. Mais Zanka s'en rend compte, retire le pied, mais c'est un petit peu trop tard. Genk a bien démarré ce match avec déjà pas mal de phases arrêtées, quelques situations, deux corners. Mais là, c'est deux corners, un penalty. Et oh, non il arrête. Et non. Et non. Colin Kozemans. Et qu'on voit son gardien l'arrêter, on a envie de l'embrasser. C'est pas bien tiré. Et après la deuxième, il ouvre un peu trop son pied, il prend un peu trop de temps. Mais c'est trop écrasé. Mais bravo à Kozemans qui prend de la place. Hein. Voilà, il se relève. Et regardez, oh, ce plongeon, ce plongeon vers l'avant, tel Spider-Man. Ça va peut-être réveiller Anderlecht. Ouais, parce que Anderlecht est mal parti, hein, c'est vrai, dans ce match. C'est bien fait de Dolberg. Bien joué aussi de Strøkens qui retrouve le Danois, qui tire de là. C'était un bon tir, hein, vicieux, bien capté par. La route est longue avant le coup de sifflet final. Là, on a vu quand même que Fouquet n'est pas encore prêt physiquement. Hein. Et ça, on s'est reparti dans le dos de Fouquet. Entre Fouquet et Dundonker. Oh là là. Tolu. Toloup. L'occasion, surtout. Attention, KMB, ils sont trop tard, là. Oui, mais il y avait un 2 contre 1 que Fouquet gère vraiment pas bien. Et regardez, en plus, dans son dos, sort. Avait vu, avait tout compris. Et il est reparti. Il va y tout seul, il va y tout seul. Et il prend pas de risque sur ce ballon bondissant, sautillant. Kozemans qui le repousse loin. Et Doty. Avec Augustinsson et Léonie, le droit, pourquoi pas. Deuxième poteau, Fouquet. Van Krombrug et le rebond pour Dolberg. Grosse occasion, la plus belle pour le Sporting, pour feinter l'adversaire. Oui, il fait semblant d'aller à l'intérieur. Le corner de Stöcker, s'il est bien donné. Oh, c'est et but. C'est but. Sadik. But de Sadik sur une déviation d'Einen, je pense, au premier poteau. Ils l'ont joué vite, ils l'ont joué bien. Et finalement, c'est peut-être au moment où ils étaient un peu moins au-dessus qu'Anderlecht que Genk réussit à marquer. À c'est le paradoxe de cette première mi-temps. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le moment fort de Genk, ils ont eu des occasions, ils ne les ont pas mises. Et là, ce but vient quand même récompenser quand même le jeu. Parce que je trouve que Genk joue. Sa volonté de dribbler, de créer, de réussir un décalage pour le Sporting d'Anderlecht. Il repart de l'autre côté, il a dribblé les deux joueurs de Genk, le rebond pour Strøkens. Mais je suis désolé. Et de dire aussi un exploit là, d'éliminer 2-3 hommes facilement, ces joueurs, c'est trop facile. Hein. Contrôle passe, regardez. Ils ont le temps de lever la tête, de servir un partenaire sans pressing. Et on arrive chez Sor. Sor qui enroule, mais c'est trop facile pour Kozemans, c'est trop central. Et tout le monde accompagne hein, d'ailleurs. Regardez, c'est l'arrière droit. Elouadi avec Stöckers qui dédouble. À ses côtés, le relais avec Tolu. La frappe. Il passe. Elouadi. Non, Tolu. Oh, l'arrêt. Quel arrêt de Kozemans. C'est passé dans cette première mi-temps. 0-1. Et. Tolu. Oh, ouais, mais voilà, match. C'est ça aussi parfois quel la match. Différence. Tolu pour sort. Regardez, Fouquet. Sort pour la balle de break. Kozemans. Oh là 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 là. Et il n'y avait pas hors-jeu. Ouais, mais de nouveau, il est plus prêt à jouer ce ballon que l'Anderlecht qui était censé recevoir la passe. Attention. Et ça repart pour O. Il est rapide. Il accélère, légèrement décentré. Frappe. Écrasé. Il va monter alors que Angulo, lui, peut centrer. Mais non, parce que Dolberg, de nouveau, était venu décrocher. Ça combine bien. Le voilà, Dolberg. La frappe. Elle est cadrée. Sa deuxième frappe du jour. Ouais, ça, il s'est fait. Et c'est Adachi. C'est élégant, mais c'est pas toujours
productif. C'est pas son style. Le beau contre-pressing d'Anderlecht. Là, il est bon. Là, il est bon comme Dolberg, ça. Mais assez seul. Hein. Assez seul. Oh, premier poteau. Elle était vicieuse, cette frappe. À un moment donné, à l'époque, il avait été repositionné en 9 et il avait marqué pas mal hein, de buts. Ben, par rapport à un scénario de match, parfois, effectivement, le mettre en pointe quand l'équipe mène ou quand il y a beaucoup d'espace, ça peut être... Ouais, pas mal, hein, il est rentré là, tranquille. Kuba, l'ancien Carolo. Attention, Pomzanka, il est moins rapide que... Oh, nouvelle balle de break, c'est une balle de match. C'est et but. Voilà, 2-0 s'il n'y a pas hors-jeu. Je pense que tout est dit. 0-2 plutôt pour les Limbourgeois. La vitesse, la percussion, l'intelligence du Coréen aussi, dans l'assist plutôt que l'égoïsme. Je vous l'avais dit, hein, il était bien rentré, il montrait des choses intéressantes avec cette vitesse, mais cet axe central d'Anderlecht. Et allez, les...